Salut à tous, c'est Lumière, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui nous sommes avec Pedro. Bonsoir Pedro, Pedro qui part avec du retard. Pedro. Ça va ou quoi? Eh ben écoute, ça va nickel, ça va nigouel. Aujourd'hui nous ne sommes pas avec la Sidel, voilà, ça change un petit peu. Les Sidel ne sont pas là. En tout cas, sachez que la semaine prochaine on va faire un escape game, voilà. Je sais que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de escape game avec. Avec la team, mais du coup c'est moi qui vais créer l'escape game les gars, donc ils devront sortir de ma box et ça va être incroyable et ça sera du coup les gars, et bien la semaine prochaine, donc mercredi tranquillement. Alors JR, aujourd'hui nous testons les 3 meilleures courses de GTA 5 du mois. C'est pas JR. Pedro pardon, excuse-moi. Donc les 3 meilleures courses. Donc là, on est dans la troisième, donc top 3. Après, on fera la deuxième et après, on fera la première. Donc déjà, la première, enfin la troisième, on va voir si elle est meilleure. Parce que, tu sais, la troisième peut être meilleure que la deuxième ou la première, tu vois. Mais elle, c'est la troisième mieux notée. Waouh. Ouais, elle est pour l'instant, elle est stylée, hein. Ah oui. Oh merde, je suis sorti. Ah bah, je suis sorti. Ouais, j'ai vu. Je suis sorti parce que j'ai voulu prendre la miniature en même temps et je n'aurais pas dû faire ça. Mais c'est pas grave les gars, ça nous permet de... Ah bah je me suis raté aussi après, bon. Je peux pas remonter. T'es tombé? Mais tu respawns où quand tu tombes? Ah non mais t'es... Oh là là, au début. Allez, on se concentre les gars, on fait pas bien. Un minima. Ah, je sais pas comment ils font un créateur comme ça, parce qu'il crée des courses, c'est incroyable quand même. C'est de la précision. Je me suis toujours posé la question, ouais c'est vrai. Ok. Ils sont peut-être moins préparés, je pense, hein, parce que les tests pour. Je sais pas combien de temps ça met, je me suis toujours posé la question, j'ai toujours voulu poser la question à un créateur qui faisait ça, mais. Ouais, parce que là, t'as vu là et tout, là le... Ah merde, je refais deux fois la même en plus. Ceux qui créent la. Enfin, tu sais, que comme là, tu tapes sur un petit bout de truc, ça te remet droit. Et tout, genre, ça, c'est. Ouais, c'est incroyable. Pour, ouais. Bah, pour l'instant, ça va, je suis passé direct du coup. Mais non, quand mais même, j'ai l'impression qu'il faut toucher un peu, non? Moi j'ai retapé au même endroit, quoi. Deux fois dessus. Waouh! En tout cas, la troisième course, les gars, la troisième course mieux notée du mois, elle est vraiment incroyable. Waouh! Bon, elle va pas faire un homme cette fois, quand même. Waouh! Ok, bah écoute, moi j'ai fini. Oui. T'en as où là? Donc là, c'est en fait là. Ouais, parce que moi j'ai fait nimp là et tout, je me suis pris deux fois le rebord. Ah ouais. Bah franchement, pas mal, j'aime beaucoup. Si t'avais une note à mettre sur 10. Ah là, moi, je mettrais un bon 8, moi. Ouais, pareil, ce que j'allais dire, un bon 8 sur 10. Bon, merde. Enfin, Pedro, malheureusement, il est nul. Mais en tout cas, on se retrouve pour la deuxième course, le top 2. Et bien, c'est parti pour la deuxième course top 2, Pedro. Et je vois que t'es bien parti, que t'as pris le départ boost, moi je l'ai raté. Top 2, écoute, bon, deuxième course. En fait, généralement, je crois que toutes les courses un peu top et tout, techniquement, c'est tout le temps des courses un peu air de race, un peu what the fuck ouais. Et tout. Il y a des parties un peu en air de race dedans. Ça, ouais. C'est génial. Ouais, bah moi, je kiffe aussi ce genre de courses. Celle-là, je sais pas si on l'a déjà fait, il me semble que non. Mais en tout cas, c'est le top 2. Voilà, c'est vraiment le top 2. Bon, s'il y en a qui ont reconnu, vous me le dites. S'il y en a qui l'ont déjà fait aussi, parce que bon, c'est vrai que bah, vu qu'elles sont dans le top des meilleures courses. Bah c'est plus facilement trouvable quoi. Donc en vrai, il y a moyen que vous les faites ou les faites, je sais pas. Mais en tout cas, pour le moment, il n'y a pas encore le parcours, donc on peut pas trop noter trop. Waouh, il a l'air d'avoir des sacrés loopings quand même. Hein. Ouais, ça a l'air. Ok, bon, essaye de finir au moins premier là, Pedro. Bah attends, parce que j'ai glissé dans un virage tout à l'heure, donc du coup... Ah bah j'ai glissé aussi, waouh. Ah bah... C'est vrai que la Wagner ne tient pas la route. Alors qu'en vrai, elle devrait être dans les parcours, ça va. Ok. Waouh, j'ai voulu couper par l'air, mais j'ai dit en fait que ouais, la Wagner elle dérape trop, c'est abusé. Hein. Ouais, j'ai mis deux roues dans l'herbe. Ok, moi ça va. Si je suis bien. Là, ouais, c'est parti, je crois. Ok. Eh ben écoutez, attention, c'est parti pour la deuxième course. Le top 2 du mois va être magnifique ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, wow. Pour le moment. Pour l'instant, j'adore. Waouh. On a mis 8 hein, la course d'avant en easy, sachant qu'en easy c'est quand même plus compliqué.
de faire un truc en easy, parce que le véhicule est un peu gros et tout, c'est peut-être un peu plus compliqué qu'une super sportive, je sais pas, mais en tout cas. Waouh! Ah ouais! Avec tes vues en plus, hein. Ah oui, sympa celle-là. Ok. Ok, franchement, pas mal pour le moment, les gars. Bien technique et tout. Ouais. Voilà. Okay. Et comme c'est beaucoup air de race, c'est sympa, quoi, le style. Hein. C'est pas fini. Non. Ah bah c'est fini. Je suis sur le côté, mais c'est bon, j'ai pris le point quand même. T'as pris le point quand même ? Ouais, okay. T'as pris le point, c'est bon. Eh bah écoutez, c'est fini. 2 minutes 26. Ouais, c'est plutôt sympathique. Une note sur 10, tu mets combien, toi ? Ah, pareil, je mettrai un 7 parce que la longueur, elle est pas très très longue. Le parcours en lui-même est génial, quoi. Ouais, trop simple. Enfin, ça c'est écrit simple et easy. En même temps, la course elle s'appelle simple et easy. Je mettrai un 6,5, je pense. 6,5-7. Ouais. La top 1, c'est apparemment Batman. Oh, je vois sa tête là-bas. Je sais pas si tu vois. Ah ouais, ouais, j'ai vu un peu. On a vu les yeux. Ah oui, en fait le choix du véhicule n'était pas peut-être important, parce que c'est vrai qu'on vous demandait quelle voiture prendre. Oh la vache, regardez les gars. Incroyable, c'était Batman. C'était vraiment Batman là, ouais. Qui était là. Alors moi, par contre... Tu vois, ça fait trop bizarre avec le... C'est sombre et tout, tu vois rien. C'est... Ouais, alors c'est dans le noir, bon justement peut-être pour refaire sortir les yeux de Batman. Ok. Alors où est Batman? Ah il est là. On le voit encore. Ah même de derrière on le voit. Ah c'est un Batman carré je crois. Ouais. En même temps pour créer c'est... ça doit être compliqué hein. Je pense ouais. Je pense, bah faut dessiner le truc quoi. Donc après, c'est vrai que ça ici on peut casser. Ok. Ouais. Pour l'instant c'est bizarre, je dirais. C'est même bulle bizarre. Ça change un peu, remarque. Hein, c'est... Ouais, c'est... Bah, c'est pas l'air de race là, du coup, pour le coup. Non, pas du tout, même. Donc, ça, c'est les gars, la top 1. C'est-à-dire que par rapport aux 3 courses qu'on a fait, c'est elle qui est le mieux notée. Et on est dans le souterrain. Oh. Bon, après, à la Batman, quoi, j'ai envie de dire, dans la cave. Hein. C'est ça. C'est une course spéciale Batman. Donc, en même temps. Vous dites ouais mais prends il va dans le souterrain et tout, bah les gars c'est la référence à Batman, la cave et tout, tu vois. C'est la Batcave quoi. La Batcave qui pour le moment est plutôt sympathique. Ah, ça serait sympa quand même qu'il nous fasse finir en Batmobile quoi. Je sais pas où est-ce qu'il faut aller, peut-être là. C'était là tu penses? Bah attends je suis perdu. J'ai subi le feu. Ah bah attends c'est fermé. Ah c'est bon, faut aller dans les flammes. Ah dans les flammes. Ouais. Ah ouais ok. Ah moi je suis sorti, ça y est. Ok je suis sorti, je suis au niveau de... Oh j'ai la Batmobile, bah qui quand même. Ah ouais. Qui dit Batman dit Batmobile les gars. Ok. Bon on a pas beaucoup vu le Batman quand même, à part au début. Je pense qu'on va aller le voir, on va aller le revoir quand même le gars, non ? Bon. Ça va faire se planter dans nous. Ok. Je suis en Wagner moi personnellement. Ouais, je suis ah, il y a une sorte de air de race. Enfin, c'est pas une air de race, mais... Oh, c'est un pratique là, je sais pas ce qui se passe. Et j'ai la Wagner. J'aurais pas dû faire ça. Il y a un parcours aussi. On va voir si Gir va faire la même chose. Enfin, si Pedro va faire la même chose que moi. T'as eu un bug ? Ouais. T'es pas tombé. Bah là, j'arrive en moto là. Ah bah non, je suis pas tombé. Ah ouais, bah écoute, moi j'ai voulu monter un peu trop haut, je pense. Je me suis dit, allez, vas-y. S'il est bien un bout, c'est qu'il faut aller haut, mais non, pas du tout. Ouais, t'as pas besoin en fait. Je suis même redescendu pour aller chercher le boost pour être sûr parce que... Ouais, bah pareil, bah moi je suis monté haut et je peux redescendre mais pas dedans. Ok, voilà pareil. Ah bah c'est fini. Et bah au moins tu finiras premier dans une course. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal effectivement. Et bah écoutez, celle-là, si j'avais une note à 10 à mettre... Ouais,
mettrais 4, quoi. C'est pas... même pas... Ouais, 5. C'est vrai que ça, par rapport aux autres courses, c'est ça... pas ouf. C'est pas ouf. Pas mal, tu vois.